Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Les entreprises adoptent diverses stratégies de gestion pour atteindre leurs objectifs et ainsi assurer leur développement. Parmi toutes ces stratégies de management d'équipe, certaines sont destinées à créer un cadre de travail idéal, optimiser les objectifs de performance des employés, accroître la productivité de l'entreprise et d'autres sont destinées à définir des objectifs clairs aux employés. Ainsi, c'est ce que nous appelons le style de management par objectif. Le management par objectif est l'une des stratégies de gestion qui peuvent permettre aux managers des entreprises à établir des objectifs spécifiques à leurs employés. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment élaborer votre management par objectif pour rendre votre équipe plus efficace. Le management par objectif. Appelé parfois MBO, Management by Objectives, la gestion par objectif est un management stratégique qui se base sur les principaux objectifs de l'entreprise. Il permet en effet de définir clairement les objectifs spécifiques aux employés. Cette stratégie permet aux employés d'avoir une idée claire de l'impact de leurs tâches dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise, ce qui leur donne un sentiment d'appartenance à l'entreprise et contribue ainsi à augmenter la productivité. Cette stratégie présente par ailleurs beaucoup d'avantages pour les entreprises. Elle permet de améliorer les performances. Avec le MBO, vous pouvez élaborer une planification détaillée des tâches de vos employés, ce qui va conduire à l'amélioration des performances et donc à davantage de profits pour l'entreprise. Accroître le sentiment d'appartenance en gestion d'entreprise, cette stratégie permet aux employés d'être totalement impliqués dans la réalisation des différents types d'objectifs de l'entreprise. Cela aide à accroître leur sentiment d'identité vis-à-vis de l'entreprise. Les employés sont ainsi très fiers de l'entreprise et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour accroître la productivité de celle-ci. Développer la carrière des employés. Avec cette stratégie, chaque collaborateur a la possibilité d'enrichir ses compétences à travers des formations, des conférences, des séminaires et bien d'autres activités. Ces différentes opportunités participent au développement de la carrière des employés et permettent de les motiver, ce qui contribue également à maintenir leur engagement. Cinq étapes pour créer votre propre management par objectif. Le management par objectif est employé pour la première fois dans le livre The Practice of Management du consultant en management d'entreprise Peter Drucker. Selon lui, les objectifs de l'organisation sont élaborés en collaboration avec les employés. Ces objectifs s'inscrivent dans la perspective de stimuler les employés et restent des objectifs réalisables. Les commentaires réguliers que reçoivent les employés sont constructifs et mettent l'accent sur les récompenses et non sur les sanctions. De plus, ce sont des pratiques managériales qui mettent l'accent sur le développement de la carrière des employés. Le management par objectif permet de maintenir la motivation et l'engagement du personnel de l'entreprise. Il facilite également la communication entre les managers et les employés. L'une des critiques sur le management par objectif est qu'il se base uniquement sur la détermination des objectifs des employés pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Cependant, il est clair selon les praticiens du management par objectif que son succès dépend essentiellement de l'accompagnement de la direction de l'entreprise, la définition des objectifs organisationnels et la formation des gestionnaires pour le mettre en pratique. Pour créer donc votre propre management par objectif, il vous faut définir les objectifs à atteindre. C'est la première étape du MBO. Il est essentiel de définir les objectifs organisationnels pour chaque département de l'entreprise. Il s'agit des objectifs mesurables à atteindre dans le long terme. Vous pouvez donc définir 1 à 3 objectifs réalistes pour chacun de vos départements. Si vous êtes membre du département du service à la clientèle, vous pouvez vous donner comme objectif organisationnel d'augmenter la satisfaction de vos clients de 15%. Vous pouvez aussi définir des objectifs précis à atteindre, comme réduire le temps de livraison de vos produits ou services. Déterminer les objectifs des employés. Après avoir défini les objectifs de l'organisation, il revient d'élaborer les moyens ou stratégies pour les atteindre. Cela consiste donc à scinder en de petits objectifs concrets les grands objectifs organisationnels. Le rôle du manager consiste donc à élaborer de petites tâches en vue d'atteindre plus rapidement les objectifs précis à atteindre. Il vous revient
aussi de suivre efficacement l'évolution du projet. Vous devez bien communiquer avec votre équipe en vue de vous assurer que tous les membres travaillent dans la même direction. Évaluer la progression des employés. Le management par objectif sert non seulement à créer une gestion plus efficace, il permet aussi d'aider les managers à suivre le progrès et la performance des employés. Il est important de suivre l'évolution des employés dans la réalisation de leurs tâches ainsi que dans leur performance. Ainsi, vous aurez l'assurance d'atteindre les objectifs définis à bonne date. Pour cela, il est nécessaire de créer des feuilles de suivi pour suivre les progrès et les performances de chaque employé. De plus, vous devez effectuer régulièrement des réunions avec les membres de votre équipe en vue de déterminer les obstacles ou de fêter les victoires. Il est essentiel pour les managers de suivre les performances de leurs salariés en vue d'évaluer leur efficacité. Cela leur facilitera la création de leur rapport sur l'employé quand ils voudront donner de nouveaux conseils à ce dernier. Toutefois, il est important de donner des conseils pratiques que ces derniers peuvent suivre dans l'exécution de leurs différentes tâches. Faire des commentaires. C'est une étape essentielle lorsque vous adoptez cette stratégie au sein de votre entreprise. En effet, lorsque vous faites des commentaires constructifs sur l'exécution d'une activité de façon continue avec vos employés, vous leur offrez l'opportunité d'apprendre encore plus. Ces feedbacks ou éloges supplémentaires permettent aux membres de votre équipe de maintenir leur motivation et ainsi d'accroître la productivité de l'entreprise. Pour cela, il vous suffit, à chaque fois que vous franchissez une étape ou que vous atteignez un objectif, de réunir votre équipe et d'échanger sur la manière dont vous avez travaillé pour atteindre l'objectif fixé. Discutez aussi avec eux de la manière dont vous pouvez améliorer votre approche de travail pour être plus productif. Ainsi, tous les membres de votre équipe peuvent prendre exemple sur votre façon de travailler pour améliorer leur efficacité au travail. Évaluer le rendement de chaque employé. C'est la dernière étape du processus du management par objectif. Il est question maintenant, après avoir atteint les objectifs fixés, d'évaluer le niveau d'implication de chaque membre de l'équipe. Cela vous permettra de déterminer jusqu'à quel point ils ont pu exceller et là où vous devez apporter des ajustements pour améliorer leur efficacité. C'est non seulement important pour améliorer la productivité de l'entreprise, mais cette étape amène aussi les employés à progresser dans leur carrière et à acquérir de nouvelles compétences. Trois exemples du management par objectif. Le management par objectif peut être appliqué dans tous les départements de votre entreprise. Pour le département des ressources humaines, votre objectif peut être de maintenir le taux de satisfaction des employés à 85%. Pour atteindre cet objectif, l'équipe des ressources humaines élaborera un plan de travail qui permettra de réaliser l'objectif fixé. Le plan sera présenté à l'ensemble des membres du personnel de l'entreprise qui pourront apporter leurs commentaires. Avec des rencontres périodiques, de rétroactions, de nouvelles idées naissent, ce qui permet d'atteindre plus rapidement l'objectif établi. L'équipe des ressources humaines veillera à ce que chaque employé réalise sa part de contribution. Donc, pour s'assurer d'atteindre l'objectif, ils évalueront les performances des employés et leur degré de satisfaction. Pour le département marketing, le service marketing peut, parmi ses trois objectifs organisationnels, se proposer d'être plus visible sur les plateformes des médias sociaux. Atteindre un tel objectif nécessite l'élaboration d'un plan d'action qu'il faudra partager avec le reste des employés. L'objectif est de prendre connaissance des différents commentaires pour en tirer de nouvelles idées pouvant aider à réaliser les objectifs fixés. Les séances régulières de rétroaction permettront d'accroître le niveau d'implication des employés en vue d'atteindre plus rapidement l'objectif. Le département évaluera le progrès des employés pour déterminer si l'objectif est atteint. Pour le département du service à la vente, le service commercial de votre entreprise peut se fixer comme objectif de réaliser chaque mois 50 nouvelles commandes. Pour cela, il élabore une stratégie qui consiste à distribuer des dépliants. Toutefois, en présentant le projet aux employés, ceux-ci pourraient suggérer des idées pour réaliser cet objectif ou même dépasser leurs attentes. Ils pourraient par exemple leur proposer d'ajouter des stylos aux dépliants. Les différentes séances de rétroaction leur permettront de réaliser 80 nouvelles commandes. Le département marketing constatera la réalisation de l'objectif après évaluation des performances. Ce qu'il faut retenir. La gestion par objectif ou le MBO permet d'améliorer la performance des entreprises qui se base essentiellement sur la définition des objectifs élaborés par la direction avec la participation des employés. Cette approche contribue à créer un sentiment d'appartenance chez les employés, ce qui accroît ainsi l'engagement de ces derniers pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
La mise en place de ce système d'information et de gestion dans le but de comparer les performances réelles des employés et la réalisation des objectifs se base sur 5 étapes. Il s'agit de la définition des objectifs de l'organisation, la détermination des objectifs des employés, l'évaluation des progrès, la rétroaction et l'évaluation des rendements de chaque employé. Par conséquent, une bonne application de ce modèle de gestion stratégique permettra d'améliorer la productivité de votre entreprise.